va se résoudre des petites équations avec sinus. Alors, avec sinus, la technique, elle est légèrement différente d'avec cosinus. Donc, on va quand même passer par le début de la technique qu'on a vue, c'est-à-dire on va transformer notre équation comme ça, sinus x égale racine de 2 sur 2, en une équation du type sinus x égale sinus de quelque chose, pour pouvoir simplifier après. Donc, moi je veux racine de 2 sur 2, donc je remets les valeurs que je connais, donc celle-là vous commencez à les avoir mangées, pi sur 3, pi sur 4, et pi sur 6. Je mets cette fois-ci les valeurs de sinus, donc je vous rappelle que le cosinus, on le lit là, et le sinus, ici. Donc quand vous avez une équation à résoudre en sinus, c'est l'axe vertical que vous allez regarder. Donc, je mets les valeurs de mes sinus, en faisant 1, 2, 3, racine, 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 et je divise tout par 2. Alors, moi, je veux que le sinus x, il vaille racine de 2 sur 2. Donc, je me demande laquelle de ces trois valeurs me donne racine de 2 sur 2. C'est celle-là. Donc, c'est l'angle qui correspond à pi sur 4. Donc, je peux écrire que sinus de x, c'est sinus de pi sur 4. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on a envie de faire, c'est de simplifier et de dire qu'on a directement x égale pi sur 4. C'est vrai. Si j'ai sinus x égale sinus pi sur 4, je peux dire que x vaut pi sur 4. Sauf qu'on est en train d'oublier la moitié du problème. Pourquoi? Parce que regardez, cette valeur de racine de 2 sur 2, on peut l'atteindre avec pi sur 4, mais on peut aussi l'atteindre avec la valeur qui est symétrique de l'autre côté. Comment est-ce qu'on va faire pour atteindre cette valeur-là? Ben on va dire, c'est pas compliqué. Là, j'ai pi sur 4. Moi, je cherche cet angle ici. Comment est-ce que je peux le trouver? Eh ben, je vais utiliser le fait que je connaisse la valeur du demi-cercle. Parce que l'angle vert que vous recherchez, c'est le demi-cercle, c'est-à-dire pi, moins l'angle rouge là-bas. Donc, ma deuxième solution, c'est x égale pi moins pi sur 4. C'est-à-dire pi moins l'angle que j'ai fait apparaître ici. Alors, on va se l'arranger légèrement, parce que pi moins pi sur 4, on va dire que c'est... Donc, je le mets au même dénominateur, ça me fait 4 pi sur 4 moins pi sur 4. 3 pi sur 4. Est-ce que je m'arrête là? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai trouvé 3 pi sur 4... et pi sur 4, qui effectivement me donne tous les deux un sinus de racine de 2 sur 2, est-ce que je peux dire que j'ai trouvé toutes les valeurs dans R? Donc là, vous répondez non, parce que vous savez que si pi sur 4 me donne racine de 2 sur 2, pi sur 4 plus 2 pi me donne aussi racine de 2 sur 2, et pi sur 4 plus 4 pi me donne aussi racine de 2 sur 2. Donc encore une fois, il faut rajouter le plus 2 kpi, plus 2 kpi, avec k, qui appartient à z. C'est-à-dire que k, il est entier positif, c'est-à-dire que je fais pi sur 4 plus un nombre positif deux fois le tour, mais aussi pi sur 4 moins un certain nombre de tours. C'est pour ça qu'on dit k appartient à z, et non pas k appartient à n. Et hop, vous avez fait ça. Vous pouvez l'encadrer. Allez, on se fait le deuxième. Donc sinus x égale moins 1/2. Alors, je remets mes valeurs remarquables, donc là je cherche un sinus négatif, donc elles vont être vers le bas. Donc je cherche ces trois valeurs-là, je sais que pour moins pi sur 6, pour moins pi sur 4, et pour moins pi sur 3, j'arrive sur les valeurs qui sont moins 1, moins 2, moins 3, racine, 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 et je divise tout par 2. Donc, je cherche un sinus, donc quelque chose sur cet axe-là, qui me donne moins 1/2. Moins 1/2, c'est la même chose que moins racine de 1 sur 2. En réalité, on n'a pas vraiment besoin de la mettre, la racine, ici, d'accord? Si je vous la fais mettre, c'est juste parce que c'est un bon moyen mnémotechnique. Mais vous pouvez l'enlever, parce que racine de 1, ça fait 1. Donc, moi, j'ai trouvé un angle qui me donne moins 1/2. Cet angle, c'est moins pi sur 6. Donc, je peux écrire que sinus de x, c'est sinus de moins pi sur 6. Et là, je refais exactement la même chose. Ça, ça veut dire que mon angle, il vaut soit effectivement moins pi sur 6, soit pi moins moins pi sur 6. Pourquoi? Parce que je fais pi, et j'enlève moins pi sur 6, donc je rajoute pi sur 6, donc je me retrouve ici. C'est-à-dire exactement au même endroit. Bon, mon dessin est un peu foiré. Donc, ma deuxième solution, c'est x égale pi moins moins pi sur 6.
Autrement dit, pi plus pi sur 6. Autrement dit, 6 pi sur 6 plus pi sur 6. C'est-à-dire 7 pi sur 6. Et je rajoute mon 2 capi, mon 2 capi. Avec toujours k appartenant à z. Et j'encadre. Vous voyez que les équations avec sinus, elles sont légèrement plus compliquées que les équations avec cosinus, qui apparaissent en haut, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Entraînez-vous, on vous a mis des exercices en bas. Ça tombe au contrôle.